Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un autre vlog journée étudiante. Voilà, j'ai fait une vidéo de ce genre il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne et vous avez été beaucoup à l'apprécier et à me demander d'en faire d'autres. Donc du coup me voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous motiver à travailler. En tout cas moi rien que le fait de filmer ça me motive vraiment à être un peu productive. Parce que c'est vrai que ces derniers temps c'était pas super facile de se motiver. Personnellement il y a eu plein de changements par rapport à mon école. Si vous avez vu mon précédent vlog, vous savez que j'avais à l'époque et des cours en ligne et des cours en présentiel, mais maintenant c'est terminé tout ça, j'ai tous mes cours et tous mes séminaires qui sont en ligne, donc voilà je reste chez moi absolument tous les jours à travailler et puis c'est vrai qu'à la longue c'est pas vraiment très plaisant, donc voilà. Mais bon, je sais que je suis pas la seule dans ce cas et donc du coup bah j'espère vraiment qu'avec cette vidéo on arrivera à se motiver à travailler ensemble. Enfin voilà, donc aujourd'hui on est le mercredi 4 novembre et il est 8h, je me suis levée il y a à peu près une demi-heure, voilà. J'ai décidé de dormir un petit peu ce matin parce que j'en pouvais plus. Du coup, aujourd'hui, le programme, j'ai un cours par Zoom à 10h15 jusqu'à midi et j'ai un autre zoom cet après-midi à 4h, mais ce zoom là dure que 30 minutes et sinon du coup le reste du temps je suis un peu libre de m'organiser et de continuer à avancer dans mes cours parce que les cours que j'ai par zoom en fait ce sont mes séminaires et puis les grands cours, les cours magistraux entre guillemets, je peux les regarder n'importe quand depuis mon ordi, mais il faut quand même que je les regarde pour pas prendre trop de retard, sinon ça va être juste l'horreur à rattraper. Du coup voilà un petit peu pour le programme de la journée. J'ai aussi pas mal de lectures à faire, des bonnes grosses lectures qu'on aime bien, voilà. Et puis je dois aussi appeler une amie normalement aujourd'hui, on doit faire un projet ensemble etc, donc du coup il faut qu'on s'appelle pour organiser tout ça. Voilà un peu le programme de ma journée, de toute façon je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Du coup là je vais aller prendre mon petit déj et ensuite je vais attaquer cette journée. Je vais essayer de bosser jusqu'à mon zoom qui est à 10h15. Et je pense faire mon cours de français parce que comme ça, ça remplit bien le temps. Et puis je sais que si je commence une autre tâche, j'aurai pas le temps de la finir, etc. avant que mon zoom ne commence. Du coup voilà, en tout cas je vais aller prendre mon petit déj et puis bah, je vous retrouve après pendant mon cours de français. Your friends want you every time I call. I know you know I've done nothing wrong. You can't help but try to write me off. You won't let me have it all. But I want to show you I want you. Cause I can feel you hesitate. And I want to show you I want you. And I can feel that you're afraid. Trying to guess what I'm trying to do. You question my intentions. I got a reputation, but you made me want to change it, yeah, you. Je vous retrouve, donc il est 9h45 et je viens de terminer mon cours de français et là je vais prendre une petite pause avant mon zoom de 10h15 pour me reposer un petit peu le cerveau, mais je viens de recevoir des mails par rapport à ma session d'examen de janvier et c'est un petit peu dur là parce que ils n'arrêtent pas de changer des trucs, de modifier et il n'y a jamais rien qui reste fixe. Et d'un côté je comprends, enfin la situation est compliquée pour tout le monde, mais c'est vrai que là ça fait beaucoup. Il y a beaucoup à prendre en compte en même temps et c'est pas facile. Moi là je pense que je vais aller lire un petit peu un livre avant d'avoir mon zoom à 10h15. Comme ça je me sentirai un petit peu mieux. Et puis voilà, du coup bah, je vous retrouve pendant mon zoom. You make me wanna prove it. You make me wanna prove it. Make me wanna prove it. You keep me guessing. You keep me on my toes. But where you're going, I might never know. But usually I can see the finish line. With you it hasn't crossed my mind. Yeah, I know that you've been trying to guess what I'm trying. You question my intention. I got a reputation, but you made me want to change it. Yeah, you make me want to prove it. You make me want to prove it.
il est 11h45, mon zoom vient juste de se terminer. Honnêtement, c'était pas le zoom le plus passionnant de la Terre. Mais c'était assez drôle parce que du coup j'étais en train de discuter par message avec d'autres amis qui étaient dans le même zoom que moi. Et du coup c'était assez marrant, on a parlé de plein de trucs. Et bref, c'est toujours un peu... un petit peu le chenille, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est chouette de savoir que je suis pas la seule à me sentir un peu démunie face à tous les changements et à toutes les exigences que l'école veut de nous, entre guillemets. Donc voilà, surtout par rapport au mail que j'ai reçu ce matin. Enfin, voilà, c'était sympa de pouvoir échanger avec, avec des gens. Voilà, parce que bon, au final, les Zooms, c'est les seules fois où... où on voit des visages humains, donc ça fait toujours, toujours du bien. Du coup là, je vais aller manger je pense parce que j'ai vraiment faim. Et cet après-midi, j'ai un cours d'éthique-culture des religions et j'ai un zoom à 16h. Et du coup je pense que je vais aussi avancer dans des lectures que je dois faire et je dois aussi répondre à des questions par rapport à ces lectures-là. Donc je vais avancer tout ça cet après-midi. Et voilà, je pense que c'est à peu près le programme de la journée parce que il y a beaucoup de lectures à faire. Je pense pas que j'arriverai à terminer, mais si je peux au moins m'avancer un petit peu, ce serait vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, je vais manger et puis je vous retrouve juste après. Je vous retrouve, il est 14h et j'étais censée avoir un cours qui se met en ligne à 13h30, sauf qu'il n'y est toujours pas. Voilà, ça fait littéralement une demi-heure que je refresh la page en espérant que le cours soit disponible. Mais il n'y est toujours pas, du coup je vais pas attendre encore que ce cours se mette en ligne. Je vais faire autre chose, je vais avancer dans mes lectures. Mais c'est quand même vraiment embêtant parce que je suis censée avoir un zoom à 4h sur ce cours qui est censé être disponible depuis 13h30. Mais comme le cours n'est pas là, je sais pas trop ce qu'on va faire pendant le zoom du coup. J'espère qu'ils le mettent quand même assez en avance. Enfin, franchement là... là je suis énervée, mais bref, on va se calmer et je vais faire autre chose en attendant du coup, et puis je reviendrai checker la page du cours dans une demi-heure pour être sûre que le cours soit là, enfin j'espère qu'il sera là, sinon ce serait vraiment problématique. Mais bon, du coup je vais me lancer dans mes lectures parce que j'ai quand même pas mal de textes à lire, donc on va tout lire sur l'ordi parce que j'ai absolument la flemme d'imprimer toutes ces pages. Ce serait vraiment du gaspillage étant donné que je vais les utiliser littéralement une seule fois juste pour un exercice. Ça me fait vraiment mal au cœur de devoir imprimer toutes ces pages. Ce serait tellement du gaspillage. Du coup je vais lire sur l'ordinateur, même si du coup c'est vraiment pas du tout mon truc préféré. Je sais pas, j'arrive beaucoup moins bien à lire et à assimiler les choses quand je dois lire sur l'ordinateur. Enfin voilà, mais du coup j'espère qu'ils mettront ce cours en ligne. Honnêtement, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je sais vraiment plus où donner de la tête. Mon cerveau est littéralement perdu. J'ai beau essayer de faire des listes, etc. Ça m'aide même plus. Franchement, je crois que je suis à un stade où je sais plus où donner de la tête. Mais bon, on va y arriver, on va se motiver. Et du coup, je vais me lancer dans ces lectures. Je vais refresh la page une dernière fois. Non, toujours pas le cours, tant pis. Bon c'est parti, on va faire des lectures. You make me wanna prove it. You make me wanna prove I want to show you I want you, but I can feel you hesitate. I want to show you I want you, but I can feel that you're afraid. Oh, you've been trying to guess what I'm trying. I got a reputation, but you made me want to change it. Je vous reprends, il est 14h45, le cours vient juste d'être mis en ligne. Mais en fait, je viens d'apprendre qu'il s'agissait du cours qui a été fait l'année dernière, qui a été filmé, et que le prof a juste mis comme ça. Mais du coup, le cours dure littéralement 1h30, sauf que dans 1h30, c'est pile quand mon zoom commence. Donc je ne sais pas comment je vais réussir à visionner tout ça.
avant que mon zoom commence. Enfin, je sais pas. Du coup, je sais pas. Je vais... Honnêtement, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bon, je pense que je vais essayer de regarder ces vidéos, quitte à les accélérer, à les mettre en x2 comme ça. Je sais pas. Ça dépend de la vitesse à laquelle parle le prof, mais... Franchement, ça m'énerve vraiment que ces vidéos soient mises en retard parce que, enfin, d'habitude, les cours ils durent moins longtemps que ça. Mais là, c'est vraiment pas cool. Don't paint me thankless, just have to say this. No, you doubt the way you move. Lost in your fragrance, still makes me anxious. Doesn't feel right. Me revoilà, donc il est 3h30 et j'ai terminé de visionner le cours. Alors vous allez me dire comment est-ce que j'ai fait, étant donné que le cours durait 1h30 et que je l'ai fait en bien moins d'1h30. Alors j'ai mis les vidéos en accéléré et certaines parties je les ai carrément sautées. J'ai juste regardé le PowerPoint, les slides de PowerPoint, ce qui était écrit dessus. Car comme en fait c'était une rediffusion du cours de l'année dernière, il y a des pauses un peu réflexives où il y a personne qui parle et du coup ça vaut pas la peine de les regarder quoi, parce que c'est du silence tout simplement. Donc du coup j'ai réussi à finir plus vite que prévu, ce qui est quand même bien. En attendant que mon zoom commence, je vais continuer mes lectures et à répondre aux questions. Et ensuite j'aurai mon zoom et honnêtement je sais pas ce que je vais faire après mon zoom. Je vais peut-être terminer. Je pense que je vais terminer les questions si j'arrive pas à finir avant, parce que j'ai quand même beaucoup de textes à lire, donc je pense pas que j'arriverai à finir. Mais du coup mon but en tout cas pour aujourd'hui c'est d'arriver à finir ces questions. Et une fois que j'aurai fini ces questions, je pense que je vais m'arrêter de travailler pour la journée, parce que honnêtement j'en peux plus, mon cerveau va exploser. Donc voilà, je vais prendre un peu du recul et tranquille, je continuerai à travailler demain sur d'autres trucs que je dois faire. Donc voilà, c'est reparti pour lire et encore lire. You never show me, you tell me the way that you're feeling. Oh. I never ask you the questions cause maybe I'm fearing. That's just how it goes. Maybe there's parts of you. Ça y est, il est tout bientôt 4h15, je vais bientôt me connecter à mon zoom. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais il commence déjà à faire nuit. Enfin, il fait pas encore tout à fait nuit, mais il fait gris et du coup, il y a quasiment plus de luminosité. Du coup voilà, désolée pour l'éclairage, mais du coup voilà, donc je vais avoir mon zoom d'étiquette autour des religions. Et puis j'ai réussi à lire un des chapitres sur les deux que je devais encore lire, en tout cas pour ce soir. C'est vraiment mon objectif. Du coup, une fois que ce zoom est terminé, je vais continuer la lecture du second chapitre. Et après bah, je pense m'arrêter. Je pense pas trouver la force de continuer et de terminer, donc je ferai ça demain. Mais du coup voilà, je pense pas vous filmer mon zoom parce que ce sera pas très très intéressant. Donc je vous retrouverai directement pendant ma lecture. I'll never know. I get impatient. This constant waiting. Just wanna be the one that you come to. Ça y est, je vous retrouve. Donc il est 5h30 et je viens de terminer de répondre aux questions sur ma lecture. Voilà. Il m'en reste toujours deux, mais honnêtement j'en peux plus de lire sur mon ordi, donc je vais arrêter de travailler pour aujourd'hui et je vais reprendre tout ça demain. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment un petit vlog un peu study with me comme le précédent.
voilà, j'avais beaucoup de lectures à faire aujourd'hui, donc c'était peut-être pas le vlog le plus passionnant de la terre, mais en tout cas j'ai été quand même pas mal productive aujourd'hui, et avec tout ce qui s'est passé en dehors, tous les mails que j'ai reçus, etc. Honnêtement, je suis juste claquée, donc je me réjouis de prendre la soirée pour moi. Mais du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre là et si vous voulez voir peut-être une fois aussi une vidéo vlog sur une semaine plutôt que sur un jour. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, bah, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!